moi, c'est une double nouveauté puisque effectivement, je suis nouveau directeur et puis je suis également T2, ça veut dire c'est ma deuxième année d'expérience et j'ai pour la première fois une classe à ma charge. Donc beaucoup de motivation et d'envie sur cette année qui sera pleine de défis, pleine de nouveautés. Et comme vous l'avez vu ce matin, on a travaillé en équipe, donc une équipe nouvelle avec trois enseignantes déjà présentes l'année dernière et puis deux nouveautés dont moi-même. Donc une grosse envie de découvrir cette nouvelle année avec une nouvelle équipe bien motivée. On a cinq classes d'élémentaire, un CP, un CE1, un CE2, un CM1 et un CM2. Et on a autour de 24-25 élèves par classe pour un effectif de 125 élèves au total. En tant que directeur, il me semble important de travailler évidemment avec son équipe, donc les quatre collègues qui sont avec moi, mais également tout le personnel, donc les AESH, les personnes qui viennent en support aux élèves en difficulté ou en situation de handicap, mais également le périscolaire, le service de cantine, et travailler aussi auprès des parents pour qu'ils se sentent intégrés dans l'école et avec nous dans les différents projets que l'on pourra mener sur cette année scolaire. Arriver dans une nouvelle école, pour ma part, c'est plus facile puisque j'ai trois personnes qui étaient déjà là l'année dernière, dont la directrice qui a permis de me faciliter mon arrivée dans les démarches administratives, la connaissance de l'école ainsi que des élèves. Et puis je sais que je pourrais aussi m'épauler auprès de ma direction, l'inspection dans les tâches à mener. Et j'ai également ma femme qui est enseignante, qui est également directrice. Donc je sais qu'on va beaucoup parler travail à la maison et pouvoir s'épauler dessus.